Salut à tous, salut à tous, bienvenue dans ce live exceptionnel avec Thaïs Le Cam. Salut Thaïs, ça va Bah oui, ça va et toi J'espère bah... que vous, vous allez bien aussi. Ouais, ouais, bah dites-nous vraiment euh, si tout va bien en commentaire. Dites-nous euh, si vous nous entendez bien. Euh, moi, je vois que le... tous les micros fonctionnent, donc c'est génial. Merci. Euh, donc mettez-nous un petit commentaire vraiment dans le chat pour qu'on puisse bien voir. Voilà, si vous avez des questions euh, pendant le live, euh, évidemment ben, on y répondra, donc n'hésitez pas à les poser. Est-ce que tu peux nous dire Thaïs, où est-ce qu'on est, où est-ce que tu nous accueilles ce soir Alors, c'est pas chez moi, c'est chez Comme un seul homme. Euh, c'est euh, le projet d'Éric Bellion. donc c'est d'ailleurs lui qui nous héberge euh, depuis un an, depuis euh, le début des frérots. Donc, euh, comme vous voyez, c'est ambiance veste de car euh, Comme un seul homme avec Hubert derrière, Imoca, mais ici on n'est pas Là pour vous parler des IMOCA, on est là pour vous parler de Mini. Ouais, on va parler de ton projet euh, bah, Mini Transat. Euh, merci énormément aux équipes d'Éric Bellion et aux équipes de Comme un seul homme. Donc vous pouvez aller regarder euh, le projet IMOCA. Merci à eux de, de nous accueillir. Donc euh, bah, tu vas nous le raconter, Thaïs, mais euh, vous êtes en relation avec eux et puis ils vous filez aussi des, des sacrés coups de main. Euh, pour nous, pour le Offshore, Offshore Social Club, c'est vraiment top de, de reprendre la saison. Donc, des lives, euh, juste pour vous donner un peu plus d'infos. Donc, il y aura des lives podcasts comme celui de ce soir euh, avec Thaïs. Euh, on va reprendre le premier départ pour la Plastimo Lorient Mini, donc mi-avril. Voilà, vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux. Alors, juste Thaïs, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait cet après-midi et comment ça s'est passé Alors, euh, du coup, là, pour vous resituer comment cela, mais ils sont euh, à Port-la-Forêt, nous aussi. On est accueillis euh, par le port, euh, justement, pour… Euh... Eh bien pour étayer le, le plateau course au large, puisque à Port-la-Forêt, il y a des Imoca, hein, il y a des Figaro, bien évidemment, des classes 40, et bien maintenant, il y a des mini. Et eh bien, en Bête pour la forêt il y a un petit coup de piole euh, qui arrive. Grégoire, euh, je pense que tu as regardé les fichiers, sauf que ce petit coup de piole est un peu arrivé, et euh, déjà là, en fait, parce que euh, cet après-midi, on est sorti avec Julien, du coup, avec les deux bateaux, euh, les deux protos, Bigorno et Pénélope Poussicat, qu'on a construit chez Comme un et euh, bah, on a pris euh, voilà, des petites prunes à 28 nœuds, donc euh, c'était sympa. On, on, là, on est sur notre quatrième semaine d'entraînement. On continue, on tient le bon bout, on navigue dans plein de conditions différentes. Et puis là, bah, c'était plutôt ambiance euh, vrac et on voit jusqu'où on, on peut aller. Oui, bah c'est ça, vous êtes à, à deux bateaux euh, prototypes qui, qui préparaient la mini-transat. Il y a ton coéquipier euh, euh, Julien. C'est quoi le déroulement de la journée type là, Je crois que Julien, il a fait, il me disait, 12-13 entraînements euh, depuis, depuis sa mise à l'eau. Euh, c'est quoi un petit peu votre rythme en ce moment -là, euh, avec ces prototypes Alors, euh, nous, là, on a mis le bateau, donc le deuxième prototype, celui de Julien, le Tissier, un de mes associés, euh, le 28 janvier. Le mien a été mis à l'eau, donc le premier euh, des deux proto euh, a été mis à l'eau début juillet. Donc on a pu euh, rôder un petit peu des choses et optimiser euh, le tout. Et donc on a remis les deux bateaux à l'eau fin janvier. Depuis, on navigue à peu près trois à quatre jours par semaine. Okay. Euh, donc c'est dans des ambiances plus ou moins musclées. Parfois, on navigue on coaché aussi par Gilles Damaé, euh, qui est un bon dans son domaine. Et euh, il y a deux semaines, on a participé au stage euh, Proto de Concarneau du pôle, euh, un nouveau, une petite cellule en fait euh, dans le pôle euh, qui a invité les nouveaux protos à, à se mesurer entre eux. Donc là c'est super intéressant parce qu'on a l'occasion vraiment de, bah de, de jauger déjà son niveau personnel, le niveau du bateau et surtout la marge de progression euh, et de voir que les bateaux vont bien. Euh, donc, c'est vraiment top euh, cette initiative. Il euh, y avait d'ailleurs une journée nave aussi euh, avec ce pôle aujourd'hui. Euh, nous, on était, euh, on était un petit peu plus tard dans la journée, mais euh, ouais, en tout cas, on les ouais. a croisés sur l'eau et c'est toujours, euh, toujours le kiff. Euh. D'accord. Donc, vous avez cette écurie, hein, les frérots sailing, vous euh, rappelez aux gens qui connaissent pas, où vous êtes associés pour Mutualiser vos forces en, en entraînement, bien sûr, en entraînement sportif, mais aussi pour la partie partenaire et la partie gestion sportive. Euh, juste, est-ce que euh, donc vous avez deux tout nouveaux bateaux, Julien et toi euh, Quel est votre ressenti sur ces prototypes Donc, il y a beaucoup, c'est des bateaux sur lesquels il y a beaucoup d'innovation. Qu'est-ce que tu penses de ton bateau Est-ce que tout fonctionne euh, Est-ce qu'il y a eu des trucs à régler Il y a eu des trucs qui fonctionnaient pas et dont tu as dû t'occuper un prototype, c'est la bricole à l'infini. Ça faut le savoir. À toutes les personnes qui veulent se lancer dans le proto, ça, c'est sûr. faut être c'est moitié sur l'eau, moitié en chantier. Euh, et plus, plus le temps avance, plus on optimise et moins le temps de chantier est important et plus on peut naviguer. Euh, moi, la mise à l'eau de mon bateau, franchement, c'était l'été, c'était un peu Hawaï, donc on a navigué dans des conditions crescendo. Il ouais. y a forcément des choses euh, qu'on a modifiées euh, qui n'ont pas convenu. Euh, je me rappelle la troisième sortie, on a cassé une barre de liaison pour un, un problème de calage des systèmes de montée de safran. Euh, Après la duo Concarneau, il euh, y, y a un renfort qui a été euh, oublié justement au pied de mât Donc euh, on s'est rendu compte que le ça s'affaisçait un peu. Donc on a eu le temps, euh, on a dû euh, démater le bateau, ouais, le réparer. Euh, une... ouais. il voilà, y a toujours des choses à faire, à optimiser et à réparer. Et la chance qu'on a eue, le fait de faire deux protos comme ça, mais crescendo, on va dire, euh, on a fini le mien en juillet, on a eu le temps de naviguer avec pendant un mois et demi, ouais. on a commencé celui du lien en septembre, déjà on a gagné un temps monstre au niveau de la, de la construction, ouais. Euh, ouais. on a pu mutualiser nos budgets. Ouais. Donc là, sur, pour le coup, c'était des objectifs à la création du projet et on y est arrivé. Et en plus, ça a permis de vraiment d'optimiser et de fiabiliser en fait les deux bateaux, parce que toutes les bêtises qu'on avait faites sur, sur le premier, on les a pas réitérées, on a renforcé, on a modifié, mais en direct, on n'a pas eu dû à le refaire. Ouais. Donc là, les deux, ouais. deux bateaux vont super bien. On peut voir qu'on peut se prendre 30 nœuds au glénant sans souci. Oui, euh, c'est ce ouais, ça. Ouais. Au Glénan, okay. ouais. Enfin, on était dans la baie, euh, entre euh, les Glénans et la baie. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Euh, toi, juste, euh, tu te sens comment par, la, par rapport à la flotte des protos, euh, tu sens que tu es vraiment dans le game ou euh, tu as encore du travail ou est-ce qu'au euh, contraire, tu, tu es vraiment super à l'aise Alors, si on part du principe qu'on est le meilleur déjà, on n'ira jamais plus loin. Ouais. Ça, c'est sûr. Et dans tous les cas, ce n'est pas, pas mon cas. Euh, moi, je, je me suis lancée réellement les deux pieds dedans, là, comme je le fais dans la course au large avec ce projet. Mais j'ai l'humilité d'arriver là où je suis. Euh, donc moi, ma marge de progression déjà par rapport à... Déjà au début de, des navigations, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Mais j'ai encore beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à faire. Après, on, on voit que les bateaux vont bien. Là, sur neuf protos, justement, euh, en range sur les trois jours. Julien, de toute façon, de par son expérience, heureusement, il est mmh. toujours devant. Mais moi, je ne suis, suis pas très loin derrière. Euh, et par rapport aux autres protos, je, je vais me situer sur le milieu de la flotte, euh, peut-être fin de premier paquet. D'accord. Donc, c'est super encourageant. Tu tout ce qu'il faut pour progresser. Et puis, tu as... T'as as vraiment toutes les armes pour pour faire des belles compètes, génial. Bah écoutez, merci à tous d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc euh, nous, on a beaucoup suivi euh, pour ceux qui suivent un peu le mini, euh, bah, le, votre écurie euh, les, les frérots sailing euh, que vous avez lancé en 2021. Euh, du coup, pendant ce live, on va revenir un petit peu sur comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà, et euh, tu vas nous expliquer comment fonctionnent les fréro. Et ensuite, on, tu vas nous dire un petit peu euh, bah, quelle est la suite, euh, ce que vous allez faire, quelle, quelle, quelle ambition vous avez pour ce projet. Euh, voilà, donc Est-ce que, est que tu peux nous dire peut-être euh, d'où est venue cette idée de faire les fréro euh, Toi, comment t'en es, es venu là dans, dans ton parcours euh, Tu me disais juste avant de commencer que tu avais travaillé dans pas mal de boîtes. Qu'est-ce qui fait que tu es venu euh, à la course au large et à créer les, les fréro alors, bon, la course au large, je, je baigne dedans euh, depuis petite. Donc, c'est vraiment un milieu que je connais. Je suis dedans, mais euh, j'ai jamais osé. Avant, je faisais du bateau, mais des tours euh, en plaisance euh, dans la baie. Mais depuis toute petite, je navigue, je navigue dans cette baie. Et euh, je suis partie aussi euh, sur des trips de une semaine, deux semaines, trois semaines. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, euh, les. La voile a pris un, une importance de plus en plus grande. Euh, je m'étais accordé une pause, on va dire que la, la notion, justement, le, le syndrome de l'imposteur de fi que mmh. j'essaye justement de ne, de ne pas me traîner euh, comme un boulet, en fait, je, je l'ai eu énormément à la fin de, de mes, ma section voile au collège. Donc, j'ai arrêté de naviguer en, au lycée. Ouais, j'ai repris vrai. en école. Euh, course croisière et et compagnie, mais ça a toujours été l'équipage. Puis après crescendo, je suis partie, euh, j'ai récupéré euh, en gestion avec, avec mon cousin euh, l'armagnac de famille sur lequel mon père a fait ses armes, c'était l'armagnac de, 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 de mon grand père. C'est le Mervant là, c'est ça Mervant, c'est ouais. ça. Et tout part de ce bateau encore une fois. D'accord. Parce que Mervant, euh, du coup, j'ai bien raidé Mervant. Je me suis confinée dedans quand mon, mon travail en événementiel, le du fait du confinement, bah, c'était impossible de bosser. Donc j'étais ouais. sur Mervant. Et puis, euh, en fait, je me suis dit que j'allais faire un refit de Mervan. Il fallait qu'il soit tout beau. Ouais. Donc, pendant que mon père faisait le des globes j'ai mis Mervan euh, chez Mervan. Et puis, euh, cinq mois de chantier, euh, là, je, je, je me dis qu'il faut que je fasse l'ami. Ça fait cinq ans que cette idée me trotte dans la tête. J'avais d'ailleurs récupéré euh, l'ancien bateau de Sébastien Picot. Ah oui, d'accord. Il euh, y a cinq ans que j'ai dépoilé et je me suis dit... Oh et même mon père, il m'a dit, tu peux pas traverser l'Atlantique là-dessus. Ouais, ouais, J'espère que tu n'écoutes pas. <laughs> <Et> euh... <laughs> Mais oui, oui, tout est parti de là. Et puis, je bricolais, je bricolais. Je demandais à Julien le Tissier du coup, qui était préparateur pour le dernier vent des globes de mon père, qui bricolait aussi. Ah, la mini, alors, c'est comment Parce qu'il avait fait en 2019. Ouais. puis, je lui demandais des conseils parce que je voulais partir en série de base. Et puis, on échange, on échange. Lui, il, me de... il voulait partir sur la prochaine mini transat. Puis il me demandait euh, des conseils sur la gestion de projet, la recherche de, de sponsoring et compagnie. Et puis là, on s'est dit, mais pourquoi on fait pas un truc ensemble D'accord. Okay. Et à partir de là, Valentin Noël, notre troisième associé, est rentré dans la matrice. Euh, lui, il était, euh, bah, d'ailleurs, il, il était toujours l'année dernière euh, gérant d'une école de voile à Belle-Île. D'accord. Il me demande, euh, pareil, des conseils. Ah, je vais faire la mienne. Et puis on en est venu de là en fait une histoire de chantier encore autour de, mer, de l'armagnac, Mervan, D'accord. Euh, on s'est associé et euh, on s'est dit mais on fait un truc, on va mutualiser on, les budgets, nos compétences. Euh, on va forcément aller plus loin à trois parce qu'on a tous les trois en fait des compétences super complémentaires. Et donc est, est venu Fréro Sailing. Bon, le nom Fréro Sailing est venu que plus tard. Ouais. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Euh, je dirais que c'est des pintes de bière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ouais, d'accord. Mais okay. oui, en fait, frérot, pour nous, c'est la notion de collectif, euh, parce que ce projet, c'est un projet collectif. Et cette notion de frérot, autant pour euh, les jeunes, ça va être frérot, c'est amical, ouais. c'est euh, vraiment quelqu'un qu'on apprécie, et autant pour euh, les darons, on va dire, frérot, c'est le petit frérot qui doit faire ses armes. C'est ouais, ouais. euh, voilà. euh, le petit, mais on a toujours euh, cette notion d'affection euh, par laquelle on essaye de refléter justement cette image de collectif. D'accord. Mais du coup, juste pour revenir euh, à ta période où tu disais que tu étais en école et que tu t'avais fait la course croisière et deck, à ce stade, la, vo la voile, c'était quoi pour toi C'était un truc que tu allais refaire en vacances et tout ça Ou tu disais vraiment, un jour, euh, je vais revenir au Bercail et puis euh, je vais faire ça pour ma vie. quoi au tout début, c'était vraiment pour me remarrer sur des lignes de départ et euh, régate, saucisson, bière, on voit très bien l'ambiance. Et au fur et à mesure des années, après, j'ai pas mal bougé à l'étranger, en Argentine, en Angleterre ouais. et compagnie, en Suisse aussi. Euh, bah là, en fait, euh, je ne naviguais pas parce qu'il n'y avait pas les moyens dans le nord de l'Angleterre, déjà ici, quand il fait froid l'hiver. Voilà. Et puis en fait, en Suisse, euh, j'ai bossé pour la classe IMOCA en marketing, organisation, euh, communication euh, pour la New York Vendée. Et puis là, je faisais les profils de skipper. Et puis en fait, ça me revenait euh, de plus en plus en tête ouais. cette volonté euh, de, de refaire du bateau, mais pour de vrai et en, en, en équipage réduit, donc en double ou du solitaire. D'accord. Et je me disais, mais non, non, non. Euh, encore le syndrome de poster donc je suis reparti euh, faire euh, finir mes études à marseille en, en master spécialisé en événementiel sportif international là bah, je fais des voiles de saint tropez et compagnie donc là je naviguais puisque d'accord mais c'est clair donc c'est revenu et puis après je me suis bon je me décroche de la course au large euh, de tout, tout le boulot aussi en organisation que je faisais avant je me mets euh, dans un autre secteur et puis c'est arrivé dans l'automobile avec la Fédération internationale de l'automobile où je bossais en F1 et compagnie. D'accord. Après je suis arrivée chez Peter Auto mon ancien employeur euh, pour bosser dans pour un championnat européen de course de voiture historique en tant que responsable commercial donc d'où cette notion de recherche euh, de partenariat. Ouais, ouais. Et en fait c'est là où, où en fait, j'étais un peu trop près je crois, j'avais jamais été aussi près euh, après euh, mes années lycées justement de ma Bretagne ouais. et où j'avais les moyens de naviguer quasiment tous les week-ends. Plus le temps passait, j'avais mes événements, mais sinon j'étais en Bretagne à naviguer jusqu'à euh, tomber les deux pieds dans le plat. Mais, mais euh, tu étais localisée où du coup au moment où tu étais chez Otto À Paris. Ah ouais, d'accord. J'ai été parisienne, okay. tu te rends compte. Ouais. Bah, comme, plein, euh, comme plein de ministres maintenant. Hein. <laughs> oui, c'est vrai. Ok, mais si euh, ça ne gêne pas... Tu peux détailler un peu le syndrome de l'imposteur, c'est quoi Il y avait que ça qui t'empêchait, c'est, avais peur de pas aussi bien faire euh, que, que tous les gens qui t'entouraient ici En fait, c'est surtout d'être bridé par euh, la fille de le nom le cam. Euh, Moi, je me rappelle euh, sur les, les, les petites régates reg que j'ai faites fait au collège, bah c'était euh, le cam, quoi. Ouais, ouais c'est clair. Ouais. c'est pour ça que ce, ce collectif aussi. Ça me permet d'avoir juste un prénom parce que frér frérot, c'est frérot Thaïs, ok, frérot Julien, frérot Vava. Ouais, Donc, clair, ouais. Ça te permet de pas mettre de nom de famille. En fait, on est un collectif, on fait ça ensemble, même si on est tout seul sur l'eau. Et aujourd'hui, en fait, euh, j'assume complètement et mon père, il, il a énormément euh, valorisé aussi le projet en donnait, donnant beaucoup de directives. Enfin. Euh, plus des, des directions et des questionnements euh, intelligents par rapport à la construction des bateaux comment le faire pourquoi partir avec l'archi mmh. et c'est vrai que David raison nous est paru une, une évidence euh, après ces réflexions là parce que là pour coup il y a l'expérience euh, à la maison. Au chantier. Ouais. Oui, parce que euh, David Raison est un architecte qui est très connu pour le Mini, puisque c'est lui qui a fait les, les premières carènes en forme de SCO, donc avec des Nérons. Et il se met aussi à l'IMOCA dans le cadre du projet de, du père de Thaïs, euh, de donc Jean Lecam. Et, euh, et oui, en effet, bah, ça doit être génial qu'il puisse te transmettre quelques tips. Euh, okay. Et du coup, toi, tu es dans quelle optique là Tu te dis, euh, je, je fais mon projet Mini Transat et euh, après, tu te poses des questions pour après ou, ou tu. Ou est-ce que tu te dis je fais ça d'abord, je le fais bien et ensuite on verra Alors, déjà, la deuxième réponse est, je dirais, la bonne. Mais le problème, c'est quand on est piqué, <laughs> on est piqué. Et Donc, en réalité, Frérot Sailing, ça a été créé comme écurie, pas uniquement pour le projet mini de cette année. Parce que là, aujourd'hui, on a, on a les deux bateaux et on, est, on, on a l'assurance de les avoir pour la 2025 aussi. Malgré le fait qu'on recherche des partenariats, ces bateaux sont à, sont à l'écurie. Mmh. Et l'objectif, on va dire, dans un monde utopique, euh, ce serait de créer une écurie transverse. C'est-à-dire que Frérot Sailing, par exemple, les ministres sont formés par les. qui montent en classe 40, qui, sont... qui forment les ministres, qui montent en IMOCA, qui forment les classes 40. Faire en fait une transmission. Et aujourd'hui, il y a une synergie à Port-la-Forêt qui qui mène un petit peu à ça euh, à notre échelle puisque final euh, bah là on est quand même hébergé chez le projet euh, chez comme un seul homme et puis on, on est euh, en, en conseil technique euh, avec euh, le Daron il euh, y a des équipes qui de partout ben bah, également qui, qui est hébergé à côté euh, c'est c'est une super synergie donc forcément ce pro projet il va subsister euh, moi, j'ai encore envie de naviguer. Je commence et c'est pas la fin, loin de là. Mmh. J'espère que ça ira euh, loin. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça ira vite parce qu'on est quand même sur l'eau pour aller vite. Ouais. Mais, mais l'idée aussi de ce projet, c'est qu'on ait chacun notre place tous les trois, quoi qu'il arrive. Valentin, de base, ouais. il est entraîneur course au large. Enfin, il a un diplôme là-dessus. Bah, il peut toujours entraîner. Il a toujours mmh. ce, cette casquette là. Moi, j'aurais toujours, même si je ne veux pas continuer à naviguer pour X raisons, la casquette gestion de projet. Euh, Julien, lui, il a toujours la casquette technique. Mais aujourd'hui, on a tous les trois envie de naviguer. Et comme je te le dis, c'est que le début. Ouais, D'accord. Si, toi, si tu devais euh, citer euh, quelques points qui sont vraiment les avantages clés de se mettre en équipe et de faire une écurie comme celle-là, euh, ce serait quoi exactement Il y en a plein des avantages parce qu'au final, euh, des projets comme ça pour les... Toutes les personnes qui ont fait la mini-transat, euh, on sait que c'est des larmes et... et de la joie. Mais des larmes. Et quand on est tout seul, déjà qu'on est on en chie, tout seul sur son bateau. Euh... En même temps, on est peut-être un peu mazo si on y va. Mais on est tout seul. Et là, à terre, il oui. y a beaucoup, beaucoup de choses en fait, à gérer, parce qu'un projet mini, ce n'est pas uniquement naviguer. Nous en plus on a fait de la construction donc c'est autre chose, mais même pour un projet de série, c'est gérer bah, tout ce qui est recherche de sponsors, les départs de course, la logistique pour aller à droite à gauche, faire le tour de la France, euh, les emmerdes administratives, euh, les réparations. Ouais, c'est tout un planning. Ouais. Donc si on peut être trois en fait c'est on va plus loin. D'accord. Euh, okay. On arrive à, en fait à avoir aussi cette synergie euh, de euh, la vache. S'il y en a il y en a un qui va pas bien, et ben les autres ils sont là. Il ouais, euh, y a ouais. toujours, en fait, il y a toujours un engrenage et le, la machine elle, elle, elle fonctionne toujours. D'accord. Et puis même vis-à-vis okay. -vis, euh, du moral, c'est vis-à-vis -vis, que... vis -vis du moral c'est très important. Ouais, euh, ouais. Et puis vis-à-vis -vis de l'avenir, enfin voilà. Ouais. Et oui, puis il y a vraiment cette logique de transmission euh, dont tu parlais. C'est vrai que vous avez des profils super complémentaires. Euh, Est-ce que, euh, du coup, c'est un peu plus technique, mais euh, au niveau de, des partenariats, des entreprises que vous approchez, euh, qu'est-ce qui fait la diff d'être en écurie ou Vous leur proposez, euh, comme il y a plus de profils qui font rayonner les marques qui s'associent à vous, ou qu'est-ce qui fait la diff par rapport à un coureur qui est seul Alors, ce qui fait la différence, c'est que déjà, on est trois personnes pour s'occuper des partenaires. Donc, il y a ouais. trois fois plus d'attention. Euh, Au-delà de ça, en fait, c'est qu'on a un éventail de propositions de partenariat euh, qui est beaucoup plus large. Ouais. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être intéressée, donc il y a plusieurs niveaux de financement, bien évidemment, et on, on a des contreparties euh, différentes selon euh, euh, le financement en termes de relations publiques ou de communication. Mais pour, pour en revenir au sujet, euh, en fait, ça te permet euh, d'avoir euh, une enveloppe où tu décides de sponsoriser l'écurie, le collectif en lui-même, ouais. un bateau ou un skipper. Donc, ah, il y a tu certains sponsors. Voilà. Okay. Donc, en fait, déjà, tu, tu choisis. Donc, au bout d'un moment, évidemment, les partenariats, on va dire que les niveaux de partenariat, et il y a certains partenariats qui ne sont plus disponibles. Euh, mais c'est le jeu et c'est que ça va bien, même si on est toujours en recherche de sponsors. Ouais. Par exemple, Groupe TPM, qui est mon partenaire principal, euh, c'est euh, partenaire frérot. Euh, Branchet qui est euh, du coup une, euh, une assurance pour la prévention du risque médical et Aspro, euh, l'association. Eux, c'est pour le bateau de Julien. Et après, on va avoir euh, du coup Nexiode, euh, qui est une entreprise locale. Excel euh, Quimper. Autodistribution Fichou, qui eux vont sponsoriser en fait le rayonnement de l'écurie, et Glénan Concept Cars, qui ont aussi rejoint euh, pour mon bateau, qui finance une partie de mon bateau. Okay. Donc okay, en fait, okay. ça fait un range euh, complètement euh, à la carte. Ouais. Euh, et nous, euh, le, en fait, ce projet aussi au-delà de la notion de collectif où on est trois, euh, la force c'est une collectivité, c'est un collectif, mais qui, en, qui grandit et qui, qui implique en fait tout toutes nos parties prenantes, tout notre entourage, autant euh, bah, ici on est hébergé par comme un seul homme, évidemment qu'on est tout le temps en relation ouais. euh, avec euh, les gars de Mervan, c'est pareil, et puis tous nos partenaires en fait sont, 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 sont en synergie avec ce projet. Ouais, ouais, Donc ça, c'est encore le, tu vois, l'engrenage. Ok. Et l'engrenage, okay, okay. évidemment, ça prend de plus en plus de personnes et et du coup, un, un, ce projet mini, il est basé Aujourd'hui, ce qu'on propose aux partenaires, c'est surtout de l'humain. Ouais. Euh, on est là, on vit des choses, et venez vivre des choses avec nous, parce qu'on a des trucs super bien à raconter. D'accord. Euh, c'est l'engrenage, et même aujourd'hui, il y, y a des partenaires qui, qui se voient même en dehors euh, de, des frérots. C'est Odie Excel Quimper, Sylvain Jugon, qui me dit que Olivier euh, Daniel est passé. Ah bah super et puis ils montent des opérations de, de relations publiques justement sur les sur les départs de course pour nous parce qu'ils sont motivés. D'accord. Du coup c'est l'aventure qui motive ouais. les gens et c'est ça aussi qu'on voulait faire avec le projet. Déjà on coche pas mal de cases. D'accord ouais vous êtes une machine à émotions fortes et du coup vos partenaires profitent de ça pour faire des rencontres, des deals emmener leurs salariés euh, sur des départs. Et... En plus, c'est vrai que c'est génial, puisque euh, bah, le circuit mini, c'est hyper local aussi. J'imagine que vous profitez de ça aussi, qu'il y ait plein de courses dans le Finistère et tout. Ok, super. Et juste une dernière question sur les frérots. Euh, comment est-ce que vous répartissez les tâches du coup Parce que j'imagine que la partie partenariat, euh, c'est pas forcément euh, là où Julien est le plus à l'aise. Toi, à l'inverse, il y a d'autres parties que tu as besoin de découvrir. Quoi. Comment est-ce que vous, vous répartissez le truc alors même si on est tous ensemble, on a forcément nos compétences euh, différentes. Euh, sur tout ce qui est partie construction, euh, puisque je reviens juste aux au prémices, on va dire de, de construction de mon bateau, qui d'ailleurs c'était il y a un an qu'on a mis, on a drapé les premiers tissus. C'était Valentin qui était chez IDB Marine, par exemple, pour euh, gérer toute la prod là-bas. Ouais. Enfin euh, chef, chef, de production en, en tout cas de, de Pénélope, D'accord. Donc, donc IDB ça... Marine, qui est juste le chantier qui a oui. construit ton, ton bateau C'est ça. En fait, on a construit, euh, du coup, les deux prototypes dans les moules de Maxi, signé David Raison. Euh, D'ailleurs, c'est les premiers prototypes qui sortent en moule, je crois. Il me semble. D'accord. Euh, on a utilisé la carène du Maxi et puis on en a fait des protos. On a mis les options avec full option, quête, dérive, ballast, safran relevable, quille télescopique et compagnie. D'accord. Et donc, c'est… C'est Valentin en fait, qui est en, en, en charge de cette prod là-bas, qui a aussi appris à construire là-bas, parce qu'il n'avait jamais construit de bateau. Hein. Ah, oui, et Julien, euh, lui, il est venu surtout, euh, il, il a cette compétence, c'est une fois que la boîte est fermée, que la coque et le pont sont faits, hop, après toutes les options, on les, on les implante comment Et donc là, on a amené euh, les bateaux, du coup les deux, chez comme un seul homme, pour faire toute la préparation. D'accord. Donc, euh, implantation euh, des puits de dérive, euh, tout l'accastillage, euh, la peinture, bien évidemment, les systèmes de safran, euh, l'électronique, euh, et j'en passe. Okay. Okay, ok. Et donc, tout ça, c'était plus Julien, euh, le maître d'œuvre. Et en fait, là-dedans, à chaque fois, on était tous les trois. C'est-à-dire qu'on avait aussi à apprendre des autres. Et c'est ça qui est intéressant, mmh. ce partage de compétences, c'est que toi aussi tu montes en compétences. Ouais, ah ben ouais. Moi j'ai appris plein de trucs. Hein. Maintenant euh, la bricole, il euh, y a des choses, à str strater euh, une cloison pétée dans, dans un bateau euh, en carbone, euh, ouais. je ne savais pas faire. Euh, là maintenant mmh. ça me fait, j'y vis plus à Arculon ouais. J'ai <laughs> toujours besoin de ses conseils, mais ouais. c'est de la compétence. Et euh, moi je suis plus en charge du coup de tout ce qui est partenariat, communication. Ok. Euh... Gestion globale, mais après au-delà de ça, euh, en fait, on, on fait tous de la gestion, on gère tous aussi tous les trois euh, tout ce qui est admin. Euh, on, aussi là, on a envie d'y aller reculons parce que c'est pas la partie ouais. intéressante. Et par exemple, Valentin aujourd'hui, il va plus s'occuper de tout ce qui est relations institutionnelles quand la Chambre des commerces te demande des comptes, quand euh, tu dois contacter tout cabinet comptable pour faire un bilan. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Et euh, Jules, tout ce qui est fournisseurs techniques aujourd'hui. D'accord. Et euh, moi, je garde la partie à fond partenariat com parce qu'à côté, bah, on continue de naviguer. Parfois, on est obligé de travailler parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, pas les, les budgets euh, pour nous permettre de, de vivre de notre métier. On n'a même pas de quoi euh, finir. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de quoi payer le fonctionnement euh, de, de l'année. On est encore en recherche. Tout, tout ça, c'est très énergivore. Il faut que la boîte continue à tourner, qu'on puisse naviguer. Ouais, Donc, Valentin, ouais. pareil, quand, par exemple, aujourd'hui. Journée type, on part naviguer tous les deux en solo, puisqu'il faut faire du solo. Ouais, euh, Valentin, ouais. il va être là à analyser des logs, euh, donc des, c'est des données en fait qu'on récupère avec l'électronique euh, pour débugger l'électronique ou analyser nos performances. Après, on en discute, on débriefe. Euh, okay. Et puis après, on fait ouais. des lives avec le genre, ce, ce <laughs> chaque club. <laughs> ouais, c'est ça, tu rentabilises tous les moments de ta journée. Bah écoute, super. Euh, non, bah c'est c'est euh, c'est vraiment super intéressant. Euh, comme fonctionnement, on a l'impression que ça t'apporte vraiment beaucoup d'être en collectif comme ça. Et c'est cool de découvrir un peu. Il y a quelques autres écuries de mini, on va dire. Et c'est cool que tu puisses dévoiler un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Du coup, quelle va être la suite pour toi aujourd'hui Là, on est en, du coup, en début mars. Tu en es où à peu près dans ton planning Et comment ça va se passer la suite alors, la suite, c'est de continuer à naviguer toujours plus vite, toujours ouais, plus okay. fort ouais. et toujours plus. <rire> <rire> donc, euh, la suite, euh, là, ça fait quatre semaines du coup qu'on qu on est en, on va dire en, en tour de chauffe d'entraînement euh, à base de trois, quatre jours par semaine. Ouais. On a encore quatre semaines qui viennent avant le début des courses. D'accord. Et okay. donc, la première... donc, nous, en plus, avec, avec Julien, on a, on a quasiment toutes les qualifications à faire. C'est-à-dire que le Circuit Mini, euh, pour assurer. Euh, Dieu, que, que nous sommes compétents, évidemment, et euh, pour des mesures de sécurité, en fait, on a une calife hors course à faire. Ouais. De 1000 miles à bord de son bateau. Donc, on va en Irlande, on descend. Donc là, aujourd'hui, je me prépare pour ça. Pour l'instant, euh, la ouais. semaine dernière, j'ai fait un offshore. Il faisait 3 degrés, je ne sentais plus mes mains. Ouais. Donc, c'est ouais. encore un peu trop tôt dans la, dans la saison. Et, euh, et ensuite, on a 1500 000 à faire en course. Et donc, là, le calendrier mini, il y a 9 courses auxquelles on voulait participer avec Julien euh, sur le championnat atlantique. Ouais. Et donc, là-dedans, il faut valider 1500 000, dont une course de plus de 500 000. Ouais, ouais. Et donc, euh, le, la classe mini, aujourd'hui, il y a un gros goulet d'étranglement euh, où il y a de plus en plus de bateaux, de plus en plus de projets et les places restent les mêmes. Donc, euh, c'est okay. vrai que c'est de plus en plus compliqué. Avant, il euh, y avait vraiment une notion de protection en fait du, du, de la classe, enfin, dans la classe des prototypes. Ouais. Ouais. Euh, puisque en fait, sans prototype, aujourd'hui, les séries n'existeraient pas. Les, les premières mini, c'était en proto. Mmh. Euh, c'est mmh. quand même ce qui fait aussi développer, euh, c'est un peu le, le mini laboratoire d'innovation de la course au large. Pourtant, les premières fois, ils ont été mis sur un mini ouais, avec Bank Pop. Vrai. Euh, un, un ancien mini de pique aussi, il est souvent dans la matrice. Euh, il <laughs> okay. y a eu, euh, voilà, les carènes rondes, bah, celle qu'on a, les SCO, euh, c'est David Raison, c'est en ouais. aujourd'hui, ça arrive en IMOCA euh, on, ouais. on en est là, dix ans après. Et donc, cette classe prototype, enfin, cette section, on va dire, malheureusement, en fait, avant, on avait plus de place, et là, on est de plus en plus, et donc, il y a de moins en moins de place. D'accord. Donc, okay. aujourd'hui, on, on a. On a des courses, on est remonté un peu sur, li sur liste d'attente, heureusement. Il y a eu quelques okay. désinscrits. Mais on n'a pas toutes les courses qu'il nous faut. Enfin, moi, en tout cas, pour me qualifier, euh, il me manque une course de plus de 500 000. D'accord, okay. Et Julien, euh, sur euh, là, ça y est, il, il, il a eu la plastimo, Laurière. Donc, il okay. a eu euh, en double, euh, donc fin mi-avril, mi mi pardon. Avril, ouais, ouais c'est ça. Et donc, euh, là, lui, ça y est, au début, quand les listes étaient sorties, euh, il avait 1020 000, 000 pour 1000 mille. À faire en course, puisqu'il a un nouveau proto. Ouais. C'est un peu chaud. Et moi, j'en avais 870 pour 1200 à faire, puisque j'ai jaugé l'année dernière que j'ai fait 300 000 avec la duo. D'accord. Attends, tu avais. Euh, okay. Avec toutes les courses qui étaient validées, ouais. il te restait encore 800 000 à valider, c'est ça Oui. Enfin, en fait, l'année dernière, j'ai pu faire qu'une course à bord de 4 ouais. puisqu'on ouais. a sorti mi-juillet. Donc, il y a eu la duo qu'on a fait en double euh, avec Julien. Donc là, 300 000 de. Valider, mais il me manque 1002. Bah, ouais, c'est ouais. un projet, euh, ça c'est clair que les, les projets comme ça, euh, c'est en fait c'est beaucoup de chantiers. Ouais, quand j'étais en chantier, chantier j'aurais préféré naviguer. Ouais. Mais là, j'avais pas la possibilité. Et c'est vrai qu'il y a un système aléatoire de, de choix et de système de préférence euh, à la classe mini qui a toujours existé, qui évolue, et il mmh. y a toujours des injustices hein, quand on voit aussi euh, certains cas des séries qui ne peuvent pas se qualifier. Ça, c'est compliqué. Mais on, on essaye de toujours faire plus de courses et euh, normalement, ça, ça devait ouais, Aujourd'hui, ouais. on a une option, c'est d'aller à Marseille. S'il faut, on ira. Hein. Mais l'empreinte carbone okay. ne nous, nous le remerciera pas <laughs> et nos budgets non plus, je crois. Oui, clair. Euh, mais ouais. bon, on va s'en sortir. Et donc là, aujourd'hui, euh, en temps réel des listes d'inscription de la classe mini, on a la Plastimo Lorient tous les deux, ouais. la Pornichet, c'est la première en solo, euh, ensuite, il y a la mini en mai. Donc Julien, il a. Moi, je suis sur la liste d'attente. D'accord. Euh, J'aimerais bien. D'ailleurs, si vous m'écoutez, les ministres qui veulent me léguer votre place <laughs> pour faire la mini en mai. Ouais, <laughs> je suis pas, pas sûre ouais. que ça passe. Okay. Et, euh, et après, on va avoir euh, du coup euh, la, le MAP. Donc là, on l'a tous les deux. Mini fastnet, on est sur la liste d'attente. Les Calvados, une et deux, on les a. Sauf que le souci, c'est que soit on descend à Marseille pour valider nos 500 enfin les 500 mille en tout cas. Parce que de base, euh, je, je pourrais descendre toute seule, mais comme on fait tout euh, à trois, bah, voilà on descend ouais. à deux bateaux. Et on descendrait à deux bateaux. Euh, bah, en fait, c'est Marseille ou les Calvados Cup, qui sont en Normandie. Et il y a la pourro Transgascogne gascogne euh, mi-juillet. Sauf que le souci, c'est que là, on est, on est dans les Dardaires. Donc euh, là, on se fait même pas de trop trop de d'espoir sur le fait de remonter des listes d'accord okay. et après le le big day c'est du coup fin septembre le départ de la mini transat euh, 2023 24, exactement ouais, c'est ça ouais donc là tu prépares euh, pour remettre au contexte donc tu, tu t as fait ça fait quasiment deux ans que tu prépares la mini transat 2023 quoi ça fera deux ans en, en septembre et euh, aujourd'hui t'es pas assuré du tout de prendre le départ euh, ok donc euh, sachant que du coup, toi, ça te met dans quel état d'esprit tu, tu vas travailler comment là-dessus Qu'est-ce que ça implique dans ton projet Comment est-ce que tu réagis par rapport à cette situation On va dire que cette situation, en fait, on ne l'avait pas trop mis dans la matrice des, des petits soucis ou gros soucis euh, qu'on qu peut avoir dans ce type de projet. Parce qu'il n'y euh, avait pas ce souci de place avant pour les prototypes. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, moi, mon bateau était inscrit à partir du map. Parce qu'on a commencé la construction en février, mais les chantiers, ouais. ça prend toujours du retard. Et donc, je n'ai pas pu faire ces courses. Et pourtant, je ne prenais pas de place à des, à des prototypes. Et j'avais ma place avec un bateau qui n'était pas construit. D'accord. C'est quand ouais. même, enfin, qui était en cours de construction. Donc, euh, c'est clair que là, on s'est pris un gros coup. Euh, parce que c'est une épée de Damoclès qu'on n'avait pas imaginée. Ouais. Enfin, euh, on, on pensait pas l'avoir au-dessus de notre tête en fait au niveau d'accès en fait, aux courses de qualification. Parce qu'aujourd'hui, ouais. on a quand même nos, nos places sur la mini transat. On est il y a 45 places pour les protos, 50%. 50%, ouais. pour, 50 pour les séries. On est 43 protos à être inscrits. Et là, moi, j'étais la seule dans le cas des protos à ne pas pouvoir avoir accès, être m'inscrire aux courses de qualification. D'accord. Ouais. Donc au début, c'était Enfin, moi, euh, je ne savais pas euh, où donner de la tête parce qu'en fait, c'est tout un monde qui s'effondre. C'est de l'énergie. On a quitté euh, tous les trois nos boulots respectifs. Ouais. On a fait un all-in, comme on peut le dire, euh, où en fait, on, on a tout arrêté quoi, à côté. On, ouais. Là, on ne se paye même pas. Donc, c'est sur nos économies ou sur le fait qu'on fait des pièges à droite, à gauche. On a nos partenaires qui ont signé des contrats. Moi, mon bateau, il appartient à la banque donc ça veut dire que le prêt si tu peux pas te qualifier sur les courses saison puisque tu peux pas t'inscrire comment les partenaires vont l'accepter c'est à dire est-ce ouais. que, est que je, vais, je vais devoir revendre le bateau avant même d'avoir commencé la saison ouais. ça c'était ouais. le danger aussi donc euh, c'est vrai que en fait ça moi j'ai ça m'a tellement touché enfin impacté euh, ça, ça démotive et puis heureusement que là on n'est pas en chantier pendant ces nouvelles parce que Là, on est sur l'eau et être sur l'eau, en fait, ouais. ça, on se recentre. On est là pour quoi Ce projet, ouais. quoi qu'il arrive, on va naviguer. On va faire le mieux qu'on peut. On va faire le maximum. Il y a un moment donné où soit les étoiles soient alignées, sont, sont alignées, mais bon, ce truc-là, on, on les aligne aussi un petit peu en donnant, mmh. donnant des coups de barre ces étoiles. Mais faut continuer, faut y aller. Euh, on... On reste euh, la tête froide, euh, on maintient ses objectifs. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et ça fait du bien, ça vide la tête de naviguer. Euh, tous les navigants le, le, con, le conçoivent, je pense. Ouais, donc, euh, ouais. on garde l'esprit positif. Et quoi qu'il arrive, on y arrivera à sa mine Transat. Même si c'est descendre à Marseille, et voilà, on le fera. D'accord. Ouais, bah, ce qui est, c'est que tu as, as beaucoup investi dans ce projet. Et là, du coup, c'est un paramètre aléatoire sur lequel tu pas forcément de maîtrise, et, et du coup c'est toujours difficile. Donc il y, y a plein d'autres coureurs, malheureusement, euh, qui, sont, euh, qui sont dans cette situation. Euh, voilà, mais on sait qu'il y a plein de gens qui travaillent pour, pour régler ça. Ok, mais du coup, euh, donc toi, tu auras toute cette saison-là, euh, puis, euh, la, puis la mini Transat, euh, est-ce qu'après la mini, tu te donnes déjà un programme ou des choses, tu sais déjà ce que tu pourrais faire, ou, ou ça, ça se passerait comment c'est vrai que je ne vais pas te cacher qu'on qu y réfléchit on réfléchit à la suite parce qu'on ne peut pas arriver de la mini et se dire que on... voilà, c'est vide. Ouais. Qu'est-ce -ce <laughs> qu'on fait On ne va pas prendre ouais. des vacances, on va peut-être profiter un peu de la Guadeloupe euh, pendant deux semaines après l'arrivée, mais il faut repartir sur d'autres projets. En effet, nous, on a dans la boucle euh, le fait que déjà nos demi euh, le 1068 et 69, restent chez Frero Sailing et fassent naviguer euh, du coup nous, des skippers ou d'autres skippers pour la 2025. Okay. Ça a décidé. Okay. Euh, et ensuite, on aurait un projet classe 40. Okay. Donc ça, okay. ah, trop bien. on va dire que l'idée dans la synergie, ce serait que Julien, euh, encore d'une manière utopique, soit skipper du classe 40. Ouais. Que moi, je sois co-skippeuse du coup du classe 40. D'accord. Ouais. En faisant du mini avec Valentin. Co-skippeuse co Valentin, toujours avec la gestion de projet. Et que mini, il euh, y a un autre skipper aussi qui est dans la, dans la boucle. Donc, en fait, c'est qu'on soit tous les trois navigants. Et en fait, moi, j'ai une transition classe 40 mini. Euh, que Julien, lui, ça fait quand même un petit moment qu'il fait du mini. En plus, il a été beau de capitaine d'Amélie pour sur la boulangère. Ouais, ouais. Il ouais. commence à connaître. Moi, j'ai navigué un peu sur ce bateau aussi. Ça m'a donné envie. Finalement, c'est plus facile d'ailleurs les classes 40 que nous machines. -là. <laughs> Qu en là, toi, il en a rien qui dit ça. Ah ouais, c'est possible. D'accord, assez ah, génial. Mais du coup, là, vous êtes vraiment dans la logique des talents. Euh... Et puis du coup, après, il y aura peut-être de l'immoker et tout ça. Et vous êtes vraiment dans la logique de faire grimper des talents. Ok, bah, franchement, c'est super intéressant. Euh... Ouais, ouais, du coup, euh... j'avais pensé à un truc. Euh... Mais euh... ouais, toi, depuis ton passage à ton projet mini... Euh... Est-ce que tu as déjà eu des regrets ou est-ce que euh, tu étais plutôt dans une optique où tu as découvert un truc de fou et tu vas continuer coûte que coûte quoi Je vais pas te mentir, on a tous des regrets. Mais si si tu fais pas de choix dans la vie et si tu ouais. fonces pas dedans, et eh ben en fait, as pas de regrets. On va dire que j'ai jamais, je me suis jamais dit mais oh qu'est-ce que j'ai fait Je veux faire ma chine arrière, mais tout de suite. Ouais. Euh, ouais. Parfois sur l'eau euh, et d'ailleurs personne. Oh mon Dieu, aucun navigateur peut dire ça, que tu ne te poses pas la question, genre, qu'est-ce que je fous là ouais, ouais. Et ben, Dans un projet comme ça, c'est pareil, tu te la poses cette question, mais en fait, le bonheur que tu en, en sors, t'en ressort. et une fois que tu, tu regardes un peu ce que tu as fait aussi, tu te poses et tu te dis, oh, tout ça, c'est déjà arrivé, mais ouais, c'est génial. Ouais. Parce que c'est ça aussi, le, 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 le mojo de ce, ce type de projet, c'est que tu es tellement dans un, un cercle infernal de. En fait, c'est une boucle qui. C'est comme un, un tube, tu vois, euh, que tu prends en surf. À la fin, le rouleau, il, il va de plus en plus vite. Ouais. Et du coup, ouais. tu vois pas le temps passer, tu vois pas les choses se faire. Et des fois, ça fait du bien de prendre un peu de recul et de regarder et de se dire, on a déjà fait tout ça. Alors, déjà que ce truc, peut-être, tu vois, on y pensait. Je me rappelle pour l'arrivée du Vendée globes à la teuf de mon père, je lui en parlais. Ouais. Euh, oh, on va faire du mini, on veut faire ça. Et puis, on l'avait imaginé. Et aujourd'hui, on navigue sur ces bateaux. Ouais, donc déjà ça c'est ouais. une victoire quoi qu'il arrive et euh, ça donne envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin quoi. C'est ouais, clair et c'est ouais. ultra motivant. Et est-ce que tu peux dire un petit peu euh, toi au du coup euh, maintenant on est en 2023, donc ça fait un, un an et demi que tu es sur ton mini à peu près euh, c'est quoi les gros apprentissages que tu as eu quoi comment, comment est-ce que ça t'a fait vraiment progresser tu vois est-ce que tu as découvert des trucs sur toi ou euh, est-ce que, est que ça t'a fait avancer dans ta vie c'est quoi les gros apprentissages de ce projet pour toi Alors le gros apprentissage c'est en fait c'est apprendre c'est ouais. ça parce que tu apprends tout le temps partout euh, ça ça a commencé en construction quand même ouais. Parce que bon j'avais beau faire des refits de d'armagnac, c'est du bois et du vernis et... Ça reste de la plaisance. De la course au large, c'est autre chose, même si j'avais déjà, on va dire, ce... cette notion et cette connaissance de l'environnement d'un bateau de course euh, de par mon... même... ouais. ma vie. Quoi. Ouais. Bah, en fait, tu... tu te rends compte techniquement que tu as beaucoup de choses à apprendre. Et moi, j'adore je... je... bricoler. J'ai toujours été, tu vois, à... chépé des planches de surf et compagnie et bricoler ouais. des choses. Mais là, c'est autre chose. Et puis, c'est surtout que c'est. Le bateau sur lequel tu vas quand même pas traverser l'Atlantique, tu vois. Donc, tu as ouais, intérêt à, ouais, c clair, ouais. à bien le connaître. Ouais. Et ça, techniquement, déjà avoir l'appétence et l'appréhension et, et d'avoir appris à construire son bateau, waouh! bah En fait, tu connais ton bateau, tu sais où ça mmh. va péter, tu t'attends. Tu, Je pense que tu fais plus. Tu as un meilleur couple, tu vois. Ouais. Euh, parce que quoi qu'il arrive, tu sais comment il va réagir aussi. Mais ça, tu as ses données aussi en naviguant, surtout ouais. en naviguant. Tu sais jusqu'où tu peux aller. Euh, c'est des bateaux au début où tu te dis, mais c'est tellement complexe. Et puis tu te rends compte que, bah, en fait, ils, prennent, ils peuvent quand même prendre dans la gueule. Donc tu ouais, prends confiance en toi, en ton bateau. Moi, au début, ouais. euh, j'avais peur. Hein. Je, pas sur les premières nafs parce que c'était Hawaï. Mais j'avais peur aussi de ma non-capacité à pouvoir gérer ce type de bateau et, euh, et surtout être bon. Parce que. Ouais. Tu peux naviguer, mais si tu navigues comme un manche, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, ouais, de ouais. naviguer comme un manche. Ouais. Euh, <laughs> j'aime bien faire les choses bien, j'aime bien que les choses soient bien faites. Et, et c'est comme ça aussi qu'on je pense qu'on se. Moi, j'ai tendance à me cloisonner un peu sur être un peu euh, autiste tu vois, sur des sujets. Et euh, ça, c'est clair que ce projet m'a rendu autiste. D'accord. Quand, quand tu parles d'apport justement euh, personnel, euh, aussi. Euh, ça, c'est clair qu'on qu se confronte à soi-même, on se rend compte jusqu'où on peut aller. Euh, c'est pareil que le bateau. Hein. Le bateau, tu le fiabilises, mais le skipper aussi. Tu connais, tu t apprends à connaître tes faiblesses, ouais. euh, à gérer tes émotions et à les gérer, ok, mais si tu es bien réglé. D'accord. Ouais, <laughs> ouais. Mais par contre, euh, ce type de projet, euh, moi, je ne vais pas te cacher, j'ai j'ai plus de vie à côté. Ouais. Euh, je mange bateau, je dors bateau. Euh, je suis tout le temps à 24 sur ce projet. Donc, ça te, ça te renferme aussi euh, dans ton petit cercle, justement. Euh, ça t'isole. Ouais, euh, et c'est pour ça que c'est important d'être plusieurs à s'isoler, parce que ouais. sinon, c'est un peu dur. Ouais. Mais tu apprends, euh, ouais, apprends à. Tu apprends, en fait. Plus, plus tu as la, la soif d'apprendre, plus tu vas progresser. Moi, je pars de ce principe. Donc, plus tu vas apprendre. Ouais, euh, ouais. Et, et du coup c'est le cercle encore euh, infernal mais ce type de projet en tout cas c'est à l'infini et, et ça te sort aussi beaucoup d'émotions ouais c'est clair ça te fait vivre euh, des, des trucs euh, super forts bah merci beaucoup euh, si vous avez des questions bien sûr euh, vous pouvez les poser euh, écoute bah c'est super intéressant parce que as, là t as, t as le recul suffisant de quelqu'un qui qui a démarré un projet euh, qui a tout fait de de A à Z, euh, donc merci d'avoir euh, donné euh, toutes, euh, toutes tes impressions. Euh, si tu avais des conseils à donner pour les gens qui se posent encore des questions pour euh, la Mini Transat en proto ou en série, euh, ce, ce serait quoi aujourd'hui Alors, déjà, faut savoir si ces personnes font déjà du Mini. Parce qu'une ouais. fois que, <laughs> que tu tombes sur un Mini, le cul posé sur un Mini. Ah bah c'est sûr que tu vas. Donc je dirais qu'aux personnes qui ne font pas encore de mini, posez votre cul sur un mini, vous allez en faire. Et que ceux qui font déjà du mini, il euh, faut y aller, il faut y aller à fond. Euh, parce que c'est trop court, en fait. C'est trop court. Et je pense qu'à l'arrivée de la Transat, et je l'espère, j'aurais déjà envie de repartir. Ouais. <laughs> bah merci à tous. Merci pour vos commentaires. Euh, merci Joël et merci Victoire. Merci Mila. Euh, ok génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup euh, d'ici euh, maintenant jusqu'à peut-être la, la transat du coup Plein de navigation, plein de bonheur, euh, sûrement des d'accord mais surtout euh, en fait du kiff, de la performance et et arriver sur Saint-François en Guadeloupe surtout. Trop bien. Bah, si vous voulez suivre euh, Thaïs et les frérots du coup c'est Frérots Sailing euh, sur Facebook, Instagram et LinkedIn, c'est ça Je me trompe pas C'est bien ça. Même YouTube et même youtube allez suivre sur youtube <laughs> merci à tous euh, donc les lives du Offshore Social Club reprennent euh, cette année euh, donc il y aura des lives podcast comme celui-ci il y a des lives business donc le vendredi à midi euh, avec des gens euh, qui travaillent sur la partie euh, business de la voile et on sera au premier départ de la place Timo Lorient mini avec un commentateur que vous connaissez très bien <laughs> que tu connais aussi Thaïs. Si. c'est c'est Fabio ouais Fabio euh, Musolini qui était là du coup euh, okay. déjà il y a un an. Trop bien. Ouais, génial. Bah, on a hâte, hein, ça va être la première course. On espère mm. que, que le départ sera maintenu euh, mm. le, le jeudi. Euh, souvent c'est décalé. Donc, euh, oh, va... faut arrêter de décaler les départs. Il faut y aller à un moment donné. <rire> ouais, <rire> je dirais moins ça si prévoit, prévoit 49 ans. <laughs> voilà, merci à tous et à très bientôt.